montré quelqu'un qu'on appelait Nicolas. Hein? Dieu m'a montré quelqu'un qu'on appelait Nicolas. Vous avez suivi le nom Nicolas? Hein? Vous vous souvenez d'un nom comme Nicolas? Vous avez connu quelqu'un qu'on appelait Nicolas? Il s'intéressait à vous? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je ne sais pas comment ça a fait pour finir. Parce que ça faisait que je ne faisais pas 3 mois de relation avec chaque personne que je rencontrais. Oui. Et on l'appelait comment, le monsieur? John Nicolas. C'est vrai qu'il était avec une femme. Hein? Nicolas était avec une femme, déjà, qu'on appelait Rachel. Il était engagé avec une femme qu'on appelait Rachel. Et ça, c'est quelque chose qui vous a cassé le moral. Hein? C'était parmi les choses qui vous ont découragé. C'est parce qu'il avait une femme qu'on appelait Rachel. Et vous lui avez dit que non, mais tu as déjà quelqu'un, comment est-ce que tu peux t'engager encore avec moi? Et il était question qu'il rompe avec Rachel. Hein? Mais il traînait. Vous vous êtes rendu compte qu'il traînait, il perdait le temps. Est-ce que c'est ça? C'est ça qui vous a énervé. Mais le problème, c'est quoi? Vous, il vous a dit que c'est votre tante. Hein? Que c'est votre tante. C'est ce qu'il a dit. C'est votre tante. Mais ce n'était pas votre tante. C'était votre ami. Mamie. Hey! Gabi qui lui a parlé. Non, c'était pas Gabi. C'était votre amie, mamie, qui a séduit le cœur de Nicolas et qui l'a envoûté. Il y a des nordistes qui s'est intéressé à vous. Oui, daddy. Il y a un nordiste qui s'est intéressé à vous. Oui. Attendez d'abord, ne parlez pas. Parce que j'ai vu un nordiste qui s'est intéressé à elle. Qu'on appelait Mustapha. Mustapha. Hein? Vérité, daddy. Il est où maintenant? Je ne connais pas la route. On l'appelait comment? Mustapha Djibril. Allez vous séparer de Chantou. S'il vous plaît. Séparez-vous de Chantou. Vous comprenez? Séparez-vous de Chantal. Séparez-vous de Chantal. J'ai vu une femme derrière vous, très dangereuse, très hypocrite, très sournoise. Chantal, votre amie. Séparez-vous. Attendez, séparez-vous de Chantal. From Chantal. Amen. Ah? Oui, daddy. Elle est où maintenant? Where is she now? On est ensemble au marché. Je sais pas là où elle est. Vous êtes ensemble au marché. On l'appelle comment? Chantou. Chantou. Je vous ai vu chez une femme qu'on appelait Madeleine. Mato. Hein? Madeleine. Je suis venu dans la maison d'une femme qu'on appelait Mato. Oui. Mato. Et vous travaillez dans sa maison. Oui. Elle est où? C'est une patronne pour vous. Elle est où? Where is she? À Douala. Elle est à Douala? Oui. On l'appelait comment? How was she called? Je ne connaissais pas tout son nom, je l'appelais seulement Tantine Mado. Tantine Mado. J'ai suivi un nom comme Claire. Comme Claire, c'est Claire ou Clarisse, quelque chose comme ça. Like Claire ou Clarisse, something c'est qui? Like that. Who is it? Claire. C'est qui Claire? Claire, c'était une amie. Vous êtes sortis ensemble. You dated each other. Hein? C'est Bertrand, parce que vous aviez un ami qu'on appelait Bertrand. C'est Bertrand qui a parlé pour vous, qui allait intercéder pour vous. C'est lui qui a dragué Claire pour vous. Il est où maintenant? Where is he now? Ça fait un bon bout, on ne sait pas. On l'appelait comment? Ben, le vrai nom, c'était un collègue, un ami, Bertrand, mais on marchait ensemble. Et pendant qu'on vous coiffait, c'est une jeune fille qui est venue vous coiffer. That came to dress your hair. Jeune fille qu'on appelait Sonia. Young lady called Sonia. Une brunette. A fair girl. Elle a commencé à vous coiffer. She started dressing your hair. Elle a enlevé les mèches. On vous a coiffé. Après, quand vous êtes allé enlever les cheveux, vous avez remarqué que c'est comme si vos cheveux avaient été coupés. Oui, maman, vérité, je n'ai jamais coupé si j'ai sa marmite. Et vos cheveux sont loin. Oui, vérité, papa. Vous vous souvenez de Nana? Nana. Oui, hein? Daddy. Tu te souviens de Nana? Très bien, Daddy. Nana, c'était qui? C'est un ami à moi.
Il est où? À Bagaté. La dernière fois que j'avais posé, c'est quand? When last did you discuss? Ça fait 3 mois. Tout son nom, c'est quoi? What are all his names? Chacun de Nana Flaubert. Voici notre maman. This is your mother. Elle est complètement paralysée du côté gauche. She's completely paralyzed of the left side. Mais maman, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous faire marcher? Do you believe Jesus can make you walk? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ? Est-ce que vous avez la foi en Jésus? Do you have faith in Jesus? Hein? J'ai la foi. Pliez le pied au nom de Jésus. Tendez-le. In Jesus' name, stretch it. Pliez-le. Pliez. Tendez-le. Tendez la main au nom de Jésus-Christ. Liez-la au nom de Jésus-Christ. Posez le pied. Donne-moi la main. Seigneur, je prie que son côté gauche, pendant qu'elle se lève, soit affermi en ton nom. Esprit d'infirmité. Sors! Satan! Sors! Satan! Sors! Satan! Sors! Satan! Sors au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Merci. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Stand in Jesus' name. Venez. Venez, maman. Ça, c'est un démon d'infirmité. Un démon d'infirmité qui l'a paralysé. Quand on a ordonné au nom de Jésus-Christ, le démon a commencé à s'agiter. Le démon est parti. Elle a retrouvé l'usage de son pied. Le Seigneur a pris votre fardeau. Il a porté votre fardeau. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous dites à Jésus? What do you tell Jesus? Ouais, me manque. Ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. C'est Jacques qui m'a fait 10 ans. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Alléluia, 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 quelqu'un ne célèbre pas Jésus. Oh, là, là. Maman, que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, prenons nos Bibles dans Actes chapitre 13, à partir du verset 4. Alors, je veux parler d'Élimas le magicien. C'est ça mon thème, Élimas le magicien. Parce que Élimas signifie magicien.
It means the sorcerer. Donc la Bible dit que l'apôtre Paul et Barnabas sont arrivés à Paphos. Quand ils sont arrivés à Paphos, ils sont allés rencontrer le proconsul, they went to meet the deputy, Sergius Paulus. Et ils sont arrivés, le proconsul, en quelque sorte, c'était un gouverneur romain. Un proconsul, c'était un gouverneur romain. Les proconsuls étaient des gouverneurs qui remplaçaient les consuls. Donc ils sont allés, c'était celui qui commandait Paphos. C'était l'homme fort de Paphos. C'était une grande autorité à Paphos. Et donc les apôtres sont allés pour rencontrer le gouverneur romain, pour lui parler de Christ. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que le gouverneur romain était déjà entouré par un homme qu'on appelait Elimas, qui était un sorcier, le magicien ou le sorcier. Donc qui avait envoûté le proconsul, qui avait encadenassé la vie du proconsul. Vous remarquerez une chose. Dans le passage, la Bible explique que le proconsul Sergius Paulus était un homme intelligent. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? C'était un homme intelligent. Mais la question qu'il faut se poser, comment un homme intelligent, un homme aussi intellectuel, pouvait-il être conseillé par un sorcier, par quelqu'un qui pratique la magie? Le rôle d'Elimas, le sorcier auprès de Sergius Paulus, c'était quoi? La Bible explique que c'était pour l'empêcher de bénéficier de la lumière. C'est ça, n'est-ce pas? Regardez. Je veux que tu sois attentif. S'il te plaît, que ton esprit soit sur moi. L'apôtre Paul, quand il parle à ce sorcier, il lui dit quoi? Il l'appelle fils du diable. Donc, Elimas était un agent de Satan dans la vie de Sergius Paulus. Elimas, Paul dit à Elimas, toi, tu veux pervertir les droits, les voies droites du Seigneur. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les voies droites du Seigneur dans la vie de Sergius Paulus. Elimas, le magicien, son rôle était d'empêcher le gouverneur d'entrer dans le destin que Dieu avait pour lui. Et j'ai lu le passage. Et Dieu m'a dit, va. Parle-leur. Parce qu'il y a plusieurs parmi eux qui ne sont pas dans mes voies droites dans leur vie. Parce qu'il y a un Elimas quelque part dans leur vie dont la mission est de pervertir mes voies et mes projets pour mon peuple. Et Dieu m'a dit, va tuer Elimas pour libérer mon peuple ce soir. Et je me tiens donc sur ce mandat. Et je prophétise et je déclare dans ta vie, dans la vie de celui qui dit amen. Tu ne dis pas amen, toi tu es mis à part. Tout Elimas dans ta vie, tout agent de Satan dans ta vie, qui est infiltré dans ta vie, dont la mission est de pervertir les voies droites du Seigneur pour toi, dont la mission est de t'empêcher de jouir des bénédictions de Dieu pour toi, dont la mission est de retarder ta destinée, tout Elimas dans ta vie, quel que soit cet Elimas, j'ordonne le feu sur sa tête au nom de Jésus. J'ordonne le feu dans sa vie au nom de Jésus. Fire in his life in Jesus' name.